Et ce soir après le travail, je me fais tatouer. J'ai trop trop hâte, ça va être trop cool. En fait, il faut que j'apprenne. En fait, je me réveille tôt. Et comme je sais que je suis réveillée tôt, eh ben, je vais prendre mon temps. Du coup, je vais être en retard. Et je vais devoir me dépêcher au bout d'un moment. C'est trop grave. Sinon, en soi, je vais faire un petit tatouage. Hein. Vous attendez pas à un énorme tatouage et tout. Je vais juste faire un petit flash. Parce que bah, ça fait un petit moment que j'ai envie de faire un tatouage. La dernière fois que je me suis tatouée, c'était pendant le road trip. Donc du coup, c'était en 2021. Octobre 2021. Et là, bah, j'avais envie de refaire. En fait, la tatoueuse, elle fait une promo au mois de juillet, août, fin en été. Elle fait les flashs à 50 euros. Et il y en a un que j'ai bien aimé. Il n'est pas ouf non plus, hein, mais il est tout simple. J'ai bien aimé. Du coup, je me suis dit, allez, sautons sur la promo et faisons un flash à 50 euros au lieu de 80 euros. Enfin, en tout cas, celui que je voulais faire, il est à 80 euros de base. Donc voilà, je vais le faire ici. Enfin, vous voyez bien. Je vais le faire là, mais là actuellement j'ai des piqûres de moustiques, du coup j'ai des croûtes et je sais pas si je pourrais le faire. Je sais pas si je pourrais le faire juste au-dessus ou entre ou juste en dessous ou si je vais devoir faire sur l'autre bras. Ce sera la surprise de ce soir. Et en plus, vous savez, quand on se fait, c'est pour les personnes qui sont tatouées, et ben à chaque fois quand je me refais tatouer, je suis là, ah ouais, la sensation, c'est vrai que c'est ça, c'est pas agréable. Mais bon. Bref, là il doit être 52 et si j'ai pas trop envie d'être en retard, il faut que je parte maintenant. Et je suis encore en train de faire mes cheveux. C'est déjà la flemme. Des fois, j'aimerais bien téléporter comme ça. Bim. En fait, on devrait autoriser la téléportation pour le travail. Comme ça, tu te réveilles, tu te prépares. Travail. Non, mais non, non. Voilà. Kara rentre. Bisous, à ce soir. Allez, rentre. Bisous. J'ai loupé le tram. Qui est surpris là? Pas moi. Je vais filmer comme ça les quelques secondes parce que flemme de lever mon téléphone. Je crois que tout le monde voit que je suis en train de filmer. Même s'il n'y a plus de personne. Je suis arrivée au travail. Du coup, bah, je vais aller travailler. Trop cool. Je suis joie. Très contente. Et je vous reprends à ma pause. Je pense à midi. Pour vous expliquer peut-être ce que je vais faire en tatouage, etc. Et voilà. Comme à mon habitude, j'ai mangé toute seule. Enfin, 80% du temps, je mange toute seule au travail. C'est pas que j'aime pas mes collègues, hein, c'est juste que j'aime bien manger toute seule. Du coup, pour le tatouage, j'aime bien faire au-dessus du coude gauche. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai des croûtes suite à des piqûres de moustiques. Du coup, je sais pas si je pourrais le faire à cet endroit-là. Et si je peux pas, bah, je le ferai au-dessus du coude, mais du coude droit, du coup. Plus qu'à croiser les doigts, j'espère que ça va être possible. Ce serait trop bien. Je vais être honnête avec vous, il est 17h30, je viens de rentrer du travail parce que bah, c'est ma collègue qui m'a déposée et je ne vous ai pas du tout repris de la journée. Mais pour ma défense, il ne s'est rien passé de ouf parce que bah, j'étais au travail et à midi, elle n'avait rien à raconter de ouf. Donc voilà, du coup j'ai rendez-vous dans une heure. Je ne sais pas encore si j'y vais en transport, je vais m'asseoir. Je ne sais pas encore si j'y vais en transport ou si j'y vais en vélo. Mais je pense que je vais y aller en vélo parce que comme ça je pourrais un peu plus traîner ici à l'appart. Bref, je sais pas si on voyait bien tout à l'heure, mais je disais que je voulais faire un tatouage ici. Et j'espère qu'on verra bien cette fois-ci. Mon dernier tatouage, c'est celui-ci. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère. En fait là j'avais trop envie d'en faire un parce que le truc c'est que j'ai eu d'autres idées, enfin j'ai d'autres idées de tatouage. Et du coup j'étais trop en mode, oh j'ai trop envie de faire un tatouage, etc. Qui klaxonne comme ça? Ils klaxonnent de ouf les gens quand même. Je crois trop chez eux en fait, je crois trop c'est la roue de leur daron en fait. Bref. Je sais pas si vous savez tous, enfin toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, vu qu'il y en aura pas non plus 70 000, ce qui est cool. Je sais pas si vous savez c'est quoi un flash, je sais pas si vous connaissez la différence entre un tatouage, enfin non, un flash est un tatouage. Entre un projet et un flash. En gros un projet c'est quand c'est le dessin il est unique et...
Et en gros, c'est une idée qui sort de ta tête, c'est le tatoueur qui a vraiment dessiné ton dessin, enfin le truc qui va être mis sur toi, ta peau. Alors que le flash, en fait, c'est le tatoueur qui a fait le motif et tu choisis parmi toute une planche, tu choisis, imaginons, imaginons, il en a 20 déjà tout prêt et tu te dis, ah bah lui, je l'aime bien, est-ce que tu peux me le faire? Mais en gros, c'est ça un flash. Voilà, alors qu'un projet, bah, le tatoueur, il dessine tout de A à Z pour toi. Voilà. Je vous avoue que comme je suis arrivée en retard, je me sentais un peu mal à l'aise de devoir, de demander à pouvoir sortir ma caméra et à leur dire excusez-moi, je fais une vidéo, est-ce que je peux filmer? En fait, la zone où elle m'a tatouée, j'étais allongée sur le ventre, donc sur la table de tatouage. J'aurais jamais pu filmer, c'est quelqu'un qui aurait dû filmer. Et donc, comme je vous l'ai dit, vu que j'étais déjà arrivée en retard, je ne me voyais pas demander à une fille qui était présente au salon de me filmer, etc. Je ne me voyais pas. Du coup, je suis vraiment désolée. Ça y est, j'ai mon tatouage. Devinez quoi? Je suis arrivée en retard. Oh, j'ai un bouton. Trop cool. Bon, on le voit pas, mais c'est pas grave. Bref, en tout cas, je suis trop contente parce que bah, ça y est, je vais. Après un an et demi sans tatouage, je lui ai dit, elle m'a dit, ça fait combien de temps que t'en as passé un? Je lui ai dit, ça fait un an et demi. Elle m'a dit, ah ouais, quand même. Bon, après, les tatouages, elle a vraiment énormément de tatouages. Pour elle, c'est beaucoup, mais pour moi, c'est rien en fait. Je connais tellement pas Lyon en vélo que du coup, je m'arrêtais, mais. Toutes les deux minutes, je m'arrêtais pour regarder où je dois aller, etc. Et du coup, bah forcément, ça m'a fait avoir du retard. Mais c'est pas très grave, la meuf a été très très cool. Et je me suis excusée hein, quand même, mine de rien. Et j'ai besoin de vous dire qu'il fait super chaud dehors. Mais j'ai transpiré là. Je suis arrivée en transpirant. En plus, le tatouage, il a duré vraiment 2 minutes. Je suis arrivée en transpirant. Dès que je me suis mise sur la table, je me suis allongée, je transpirais. Je suis partie, je transpirais. J'ai repris le vélo, je transpirais. Super chaud. Mais en tout cas, je suis trop contente parce qu'il est là. Le petit tatouage. Là, on voit rien du tout. Même moi, j'ai vu là-bas, mais depuis, je ne vois rien. Et je pense que je vais prendre une douche parce que je sue. C'était mon sport de la journée. Je pense que si je me refais une écriture, ce sera, je pense, au-dessus du genou. Et lui, il sera épais. Je vais le faire en écriture un peu gothique et tout. Ça va être cool. C'est marrant parce qu'à chaque fois, on oublie. C'est comme quand on se fait percer. On oublie la sensation que ça fait de se faire percer. Donc moi, pour le tatouage, j'avais totalement oublié la sensation d'avoir l'aiguille sur la peau. J'avais oublié. À quel point elle n'est pas agréable. Mais heureusement, moi, ça a duré 2 minutes, quoi. Donc là, je suis à mon 4e tatouage et j'ai trop envie d'en faire un autre. J'ai déjà envie de faire les autres. Ce qui est cool, c'est que je lui ai demandé en fait ce qu'il y avait à faire comme soin sur ce tatouage. Elle m'a dit, vu que c'est une écriture toute fine, etc., il va cicatriser super rapidement. Elle m'a dit juste, je lave matin et soir avec du savon pH neutre et c'est bon. Donc c'est ça qui est cool. Donc se tatouer en été, c'est possible. Surtout quand on fait les soins et quand on protège sa peau. Enfin, pas besoin de mettre de crème ou quoi. C'est elle qui m'a dit. Hein. Moi, je dis rien. Elle m'a dit pas besoin de mettre de crème parce que l'écriture est tellement fine. Enfin, il est tellement petit et fin qu'il va vite cicatriser. Donc pas besoin de mettre de crème. Cool. Parce que en été, il faut y penser. Déjà, de base, il faut y penser. Mais en été, il faut encore plus y penser. Et voilà. La bise. À un autre jour quand je vous montrerai ce tatouage. Bon, bah ça fait quelques jours que je me suis fait tatouer, du coup je pense que je peux vous le montrer. Il ressemble à ça. J'espère que vous voyez bien. Du coup là, en regardant les rushs, etc., je me suis rendu compte que je vous avais pas dit chez qui j'ai été me faire tatouer et pourquoi j'ai choisi cette tatoueuse là. Donc en fait, j'ai été me faire tatouer chez Bilink Tattoo. En fait, c'est mon premier tatouage sur Lyon et en fait, en arrivant ici, je cherchais un ou une tatoueuse dont j'aimais bien le style, qui faisait des traits fins, parce que moi j'aime beaucoup les traits fins. Du coup, elle m'a envoyé son compte, je vous montrerai son travail, enfin son Instagram. Du coup, je me suis dit, bon, j'aime bien son style, autant profiter de la promo. Et puis, voilà. Du coup, cette tatoueuse-là, elle est située à la Croix-Rousse, enfin, au niveau de la Croix-Rousse. De toute façon, j'ai filmé dans la rue du tatouage. Et si vous êtes de Lyon, vous allez peut-être reconnaître cette rue. Donc, voilà. Si vous regardez la vidéo jusque-là et que vous êtes noir, dites-moi si vous vous demandez à chaque fois au tatoueur ou à la tatoueuse si il ou elle tatoue les peaux noires. Moi, j'avoue que là, j'ai pas demandé. Mais pour tous les autres, j'ai demandé, enfin, tous les autres. Et d'ailleurs. Si elle ne le fait pas, enfin si la personne ne le fait pas, est-ce que du coup vous vous dites bah non, je vais pas aller me faire tatouer chez elle
ou vous dites bah c'est pas grave, je peux faire comme ça de chez elle. Ça m'intéresse. Je serais bien tentée de vous montrer mes 3 autres tatouages, mais j'avoue que je me dis que je vais peut-être faire une vidéo consacrée à ça. Du coup, bah voilà pourquoi je vous montre pas mes autres tatouages, et je vous montrerai sûrement, je vous les montrerai sûrement dans une autre vidéo. Sinon, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous en avez envie. Et voilà, je voulais juste vous emmener avec moi dans la petite journée quand je me suis fait tatouer. Bisous, portez-vous bien.